Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour le concert de Leandro González. Ce sera une soirée comme à la maison, une soirée entre amis. Bienvenidos a casa. Esta será una noche como en casa, una noche entre amigos. Vamos a pasarla muy bien juntos. Por eso, queremos conocerlos más. Díganos, ¿de dónde vienen? ¿De qué ciudad son? ¿Cuál es su país? Los equipos están listos para dejarles unos mensajitos, para dejarles un saludo. Así que comenten, comenten. Ya estamos listos para saludarlos. S'il vous plaît, nous aimerions savoir d'où vous venez, quelle est votre ville, votre pays. Nous savons qu'il y a des gens de partout dans le monde. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous un petit commentaire et racontez-nous un petit peu qui vous êtes. Les équipes sont prêtes, elles sont là pour vous répondre et pour vous saluer personnellement. Tandis qu'on attend Leandro, profitez aussi pour les suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. C'est le même nom, Leandro Music avec K à la fin. Aprovechen mientras esperamos a Leandro para abonarse a las redes sociales, Facebook e Instagram. Leandro Música con K al final. Para tener acceso a las sorpresas que seguirán esta noche, porque sí, vamos a tener nuevas canciones y esas canciones van a ser presentadas en clips individuales. Así que para tener acceso a ellas, por favor, sigan a Leandro en Leandro Música con K al final, en YouTube, Facebook e Instagram. Je vais vous laisser car ils arrivent. Je suis Phoebe Mele, me llamo Phoebe Mele, j'habite en France. Avec mon époux, nous sommes conférenciers sur des sujets des femmes, hommes et des couples. Estaremos muy contentos de pasar otros momentos con ustedes, con mi esposo Tim, con quien trabajo en conferencias para hombres, mujeres y parejas. Maintenant, je vais vous laisser en compañía de Leandro y toda la equipa. Ahora voy a dejarles en compañía de Leandro y todo el equipo. Bienvenidos a casa. Disfrútenlo, profitez de cette soirée. Au revoir. Bienvenidos a casa! Quelle joie pour moi de vous retrouver avec toute cette équipe que je ne vais pas tarder à vous présenter. C'est un honneur pour moi que de vous partager notre musique. Bienvenidos a casa, c'est tout un concept. C'est pas simplement lié au fait qu'on est enfermé. C'est toute une histoire, c'est mon histoire que je souhaite aussi vous partager. Un jour, quelqu'un m'a dit bienvenido a casa et ça a complètement transformer ma vie et mon cœur. Et c'est ce qu'on souhaite au travers de ce temps. On souhaite pouvoir se réjouir, on souhaite pouvoir danser. Et croyez-moi, on va tout faire pour. On a la musique, on a les musiciens qui sont là. Et du coup, je voulais remercier tous déjà par avance. Je ne sais pas si vous voulez vous unir à moi. Je voudrais remercier Eric. Je voudrais remercier Ignacio qui est à la batterie. Eric qui est aux percussions. Michael qui est au piano aussi avec Raphaël. Et je voudrais remercier particulièrement aussi Clément. Clément est à Marseille, il y en a d'autres qui sont à Paris, on a même qui sont du Chili. On a avec nous Victor Tonino Sax, qui lui est au Chili carrément. On a notre ami portugais Patrice aussi qui va nous accompagner un moment avec l'accordéon. On a des invités d'absolument partout. On a Davy qui est à la guitare ce soir. Et ensuite, il y aura deux chanteuses aussi qui vont nous rejoindre. Et puis, il y a tout un travail de son qui est fait aussi par notre ami Jean-Luc Fleury, qu'on remercie énormément. Voilà, tout ça, c'est l'équipe qui est là. C'est l'équipe qui souhaite pouvoir travailler avec vous ce temps-là. Travailler, pourquoi? Parce que je souhaite qu'on soit unis pendant ce temps pour pouvoir danser, pour pouvoir se réjouir. Et je suis sûr que si vous nous connaissez, vous connaissez cette chanson qui s'appelle Muévete. Et je souhaite vraiment que vous puissiez la chanter avec moi. Y la montaña se moverá, et vous vous dites, se moverá, et ça dit comme ça. Préparez-vous, attention, on y va, les musiciens se préparent, ils se mettent en place. Vraiment, commencez à commenter, commencez surtout à partager cette vidéo. Croyez-moi, on va passer un excellent moment. Et ça dit comme ça, yes! Oh! We'll be right back.
como dice mi gente, a mover montañas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete y muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete y muévete, y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi, éloigne-toi. Tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi, éloigne-toi. Et la montagne s'éloignera, s'éloignera, s'éloignera. Et la montagne s'éloignera, et la montagne s'éloignera. Et la montagne s'éloignera. Oh, que quelqu'un se lève et se mette à danser. Con alegría. La montagne se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Tout le monde. Se moverá. Y la montaña se moverá. Sé que toda montaña se puede mover. Se moverá, y la montaña se moverá. Yeah. Quelle joie de pouvoir vivre ces instants avec vous. Vous ne savez pas à quel point est-ce qu'on avait envie de faire ça, à quel point on avait envie de vous partager tout ça. Il y a une chanson que peut-être vous connaissez aussi, qui parle de ce changement qu'on peut vivre à l'intérieur, un changement qui peut être provoqué simplement par que de l'amour. Quand je suis arrivé dans cette maison où on m'a dit « Bienvenido a casa », c'est ça que j'ai retrouvé. J'ai trouvé un amour qui m'a changé. Et j'ai envie de parler, j'ai envie de chanter de cet amour. Cette chanson s'appelle « Lo que cambia ». Si vous la connaissez, ça serait bien que vous pouvez au moins la chanter un peu avec nous. On continue à chanter en espagnol ce soir. On va passer vraiment un moment excellent. Il y a un musicien là qui se met en place. Vous pouvez les voir. Tout ça, c'est en train de se coordonner. Du coup, dès que c'est prêt, on va y aller. Ça dit comme ça.
Lo que cambia. Cette chanson a été écrite par Alejandro González. Ça dit comme ça. Yeah! Tu amor es inigualable y tu amor es incomparable y tu amor son como pétalos de rosas que secan mis lágrimas con suavidad. Son esos pétalos que curan mis heridas y tu amor es como ese manjar exquisito llena mi boca y que cambia ese gusto amargo al clamar. En las dulces palabras al cantar, en las dulces palabras al cantar. Dame tu sol, dame tu calor, y para que mi vida se llene de luz, y en mi corazón y en mi alma se derrame ese fuego santo por ti. Dame tu sol, dame tu calor, para que mi vida se llene de luz, y en mi corazón y en mi alma se derrame ese fuego santo. Tu amor es inigualable y tu amor es incomparable y tu amor son como pétalos de rosas que secan mis lágrimas con suavidad. Son esos pétalos que curan mis heridas. Tu amor es como ese manjar exquisito que llena mi boca y que cambia ese gusto amargo al clamar. En las dulces palabras al cantar, en las dulces palabras al cantar. Dame tu sol, dame tu calor, para que mi vida se llene de luz, y en mi corazón y en mi alma se derrame ese fuego santo por ti. Dame tu sol, dame tu calor, para que mi vida se llene de luz, y en mi corazón y en mi alma se derrame ese fuego santo por ti. Esa guitarra. En las dulces palabras al cantar, en las dulces palabras al cantar, en las dulces palabras al cantar, en las dulces palabras al cantar. Dame tu sol, dame tu calor, para que mi vida se llene de luz, y en mi corazón y en mi alma se derrame ese fuego santo por ti. Dame tu sol, dame tu calor, para que mi vida se llene de luz, y en mi corazón y en mi alma se derrame ese fuego santo.
L'âme est au sol. Donne-moi ton soleil, cette chaleur pour que ma vie s'illumine. Ah, je crois que vraiment la joie qui peut surpasser même des circonstances, c'est une joie qui peut simplement être ancrée dans nos cœurs. Et cette joie, je crois qu'elle peut pas venir de nous. C'est une joie qui est surnaturelle quelque part. Et c'est la joie que je vous partage aujourd'hui. Et je souhaite continuer, mais pas trop parler ce soir. Plus, on va faire de la musique, on va chanter, on va se réjouir ensemble. Mais je souhaite simplement vous présenter cette chanson qui s'appelle « Merveilleuse espérance ». Alors, on vous propose ce soir de voyager avec nous en Amérique du Sud. On a chanté un premier chant qui s'appelait « Muévete ». Cette chanson-là, c'était de la cumbia. Ensuite, on vient de chanter « Lo que cambia ». Et « Lo que cambia », c'est une espèce de pop colombienne, vallenato avec les accordéons, etc. Là, on va passer sur un merengue. Un merengue, les amis, tu ne peux pas simplement l'écouter. Il faut vraiment que tu te mettes à danser. Alors, je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas comment est-ce que tu écoutes ça. Mais je crois que là, ton corps, il va vouloir bouger. Donc, prépare-toi. Cette chanson s'appelle « Merveilleuse espérance ». Et ça dit comme ça. Yes! 1, 2, 3, 4. Mon regard est tourné vers le ciel, mon regard est tourné vers Jésus, vers le roi de gloire éternelle, qui par amour pour nous est venu. Mon regard est tourné vers le ciel, mon regard est tourné vers Jésus, vers le roi de gloire éternelle, qui par amour pour nous est venu. Merveilleuse espérance, celle d'être sauvé. En Jésus, par sa puissance, par l'agneau immolé. Merveilleuse espérance, celle d'être sauvé. En Jésus, par sa puissance, par l'agneau immolé. Dis ainsi. Réconciliés avec le Père, nous vivons pour l'éternité. Mon désir est de toujours lui plaire et chaque jour faire sa volonté. Réconciliés avec le Père, nous vivons pour l'éternité. Mon désir est de toujours lui plaire et chaque jour faire sa volonté. Merveilleuse espérance, celle d'être sauvé. En Jésus, par sa puissance, par l'agneau immolé. Merveilleuse espérance, celle d'être sauvé. En Jésus, par sa puissance, par l'agneau immolé. Ah, tenez que tocar un poco más. Solo un poco más. Vamos. Vamos. Vamos rápido así. Más rápido, más rápido. Jésus par sa puissance, par l'agneau immolé. Merveilleuse, merveilleuse espérance, c'est l'être sauvé. En Jésus par sa puissance, par l'agneau immolé. Wouh! Wouh! J'espère que ça va pas trop vite pour vous. J'espère vraiment que vous puissiez profiter avec chacun d'entre nous. Nous, en tout cas, on est vraiment ravis de ce qui est en train de se passer. Merci pour tous vos commentaires. On est en train d'avoir au fur et à mesure les commentaires, les mises à jour. Merci, merci beaucoup. Et rendez-nous service. Ne l'oubliez pas, vous pouvez partager cette vidéo. Et c'est vraiment avec vraiment une grande joie qu'on fait ce qu'on fait. Alors, la chanson qui va suivre,
a tout à voir avec cette histoire que je vous partageais sur Bienvenido a casa. Quand je suis revenu à la maison, j'ai expérimenté un amour qui était immérité. C'est-à-dire que j'avais tout fait pour qu'on me déteste quelque part. Et en échange, quand je suis revenu de mon sale état, j'ai reçu un amour qui m'a impacté et qui simplement est allé au-delà de tout ce que je pouvais penser. Et ça a tout chamboulé en moi. C'est pourquoi on a commencé aussi à interpréter dans nos concerts une chanson très connue qui s'appelle Amazing Grace. Et cette chanson, on la chante en français, Grâce Infinie. Et c'est Mélanie qui aura la joie de la chanter. Et attention, c'est un bachata. Donc si vous voulez un peu bouger, n'hésitez pas. Thank you.
Bienvenido a casa. C'est ce que j'ai dit à mon fils quand il est revenu d'un voyage qu'il a fait avec sa maman, un voyage de vacances, dans lequel je n'ai pas pu participer parce que je travaillais. Sa maman et lui ont visité sa grand-maman, en fait, la grand-mère de mon fils. C'était la première fois qu'ils se rencontraient depuis sa naissance. Et ils sont partis un mois. Ils sont partis au Chili, d'où je suis originaire. Et donc il y avait beaucoup de musique latine là-bas, c'est certain. Mais quand il est parti, déjà le lendemain qu'ils sont partis, je me suis rendu compte que j'avais vraiment tout un rythme de vie avec lui et presque une façon de faire quotidienne. Et je me rendais pas forcément compte de ça, mais j'aimais ça en fait. J'aimais cette routine qu'on avait créée ensemble. Et quand il est revenu, ça m'a complètement restauré mon cœur, parce que il se passait de très très belles choses. Et ce qui se passe, c'est que mon fils a toujours eu une très grande place dans ma vie, dans mon cœur aussi, celle de ma femme. Quand il est né, les gens me disaient, Leandro, ça fait quoi d'avoir un enfant? Et moi, j'arrivais pas trop à l'exprimer. Et un jour, je suis arrivé à cette conclusion. J'ai dit, c'est comme si on te greffait un deuxième cœur. Et que du coup, tu n'étais même pas au courant que tu pouvais aimer autant. C'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai écrit une chanson pour mon fils. Une chanson qui parle un petit peu de cette routine qu'on avait développée ensemble. Du coup, je lui fais quelques confessions, comme le fait que j'avais toujours rêvé pouvoir un jour jouer tout simplement avec mon fils, passer du temps avec. Je suis tellement fier de lui. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter cette chanson, qui est une chanson toute nouvelle. Et à chaque fois que je revoyais mon fils, à chaque fois que je le revois, que je me sépare de lui et que je le revois, je lui ouvre les bras et je lui dis « Hey, mi campeón, ven, viens !» Et c'est pour ça que j'ai appelé cette chanson « Tu mi campeón ». Ça dit comme ça. Extraño tu despertar por la mañana, cuando me vienes a buscar hasta la cama, y muy rápido tu biberón me reclamas. Ay hijo mío, y te lo diré hasta el cansancio que te quiero. Y que jugar contigo siempre fue mi sueño. Afortunado soy por el tiempo que tengo aquí contigo, aquí contigo. Tú mi campeón, eres mi orgullo, un regalo de mi Dios. Has transformado mi mirar y mi visión. Porque ser padre es la más linda vocación. Y acompañar tu crecer es mi bendición. Wow, 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 wow. Pasan los días, vas creciendo más y más. Y tu carácter nos empiezas a mostrar. Y aunque te enojes, siempre sonríes al final. Ay hijo mío, y esa risa que cautiva el corazón, que al escucharla me llena de emoción. Todas tus frases siempre que llaman mi atención. Ay hijo mío, ay hijo mío, tú mi campeón, eres mi orgullo, un regalo de mi Dios. Ha
Has transformado mi mirar y mi visión. Porque ser padre es la más linda vocación. Y acompañar tu crecer es mi bendición. Wow, 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 wow. Soy feliz desde el primer día en que te vi. Un sentimiento nuevo floreció en mí. Y nunca pensé amar así. Me desafías a ser un hombre mejor y que te cante cada día una canción llena de inspiración. Soy feliz desde el primer día en que te vi. Un sentimiento nuevo floreció en mí. Nunca pensé amar así. Me desafías a ser un hombre mejor y que te cante cada día una canción llena de inspiración. Tú mi campeón, eres mi orgullo, un regalo de mi Dios. Has transformado mi mirar y mi visión. Porque ser padre es la más linda vocación. Y acompañar tu crecer es mi bendición. Eres mi orgullo, un regalo de mi Dios. Has transformado mi mirar y mi visión. Porque ser padre es la más linda vocación. Y acompañar tu crecer es mi bendición. Wow, 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 wow. Y acompañar tu crecer es mi bendición. Wow, wow. Extraño tu despertar por la mañana. J'ai l'impression que Dieu m'a dit ça aussi. Extraño tu despertar por la mañana. J'ai l'impression à un moment que Dieu m'a dit, c'est toi qui me manques. Bienvenido a casa. Ce n'est pas juste un concert. Bienvenido a casa. C'est l'opportunité pour toi et pour moi de revenir à notre foyer, à la maison du Père. Et tu as pu entendre différents rythmes, différentes chansons. Et on passe de super moments de joie, c'est vrai. De super moments musicaux. Mais tout ça n'aurait aucun sens si je ne te présente pas Dieu le Père. Un jour, alors que j'étais parti loin, loin de lui, loin de Dieu, alors que je me suis abandonné dans plein d'erreurs, des moments où je voulais faire qu'un ma tête, alors que j'avais des bons conseillers autour de moi. Et ma plus grosse peine, c'était de me savoir loin de Dieu. Et je pensais l'avoir perdu. Et vous savez, une fois que j'ai passé mon processus, et que, alors que j'étais parti fier, je suis revenu en toute humilité, humilié presque aussi, par ma réalité. J'ai passé de presque tout avoir, tout ce qu'un jeune peut désirer, à ne plus avoir rien du tout. Et je suis rentré. Et c'est là où j'ai entendu Dieu qui me disait, bienvenido a casa. Ça fait tellement longtemps que je t'attendais. Je suis là pour te dire ce soir que peut-être que tu te sens loin de Dieu, ou peut-être que Dieu pour toi est un concept. Peut-être que Dieu pour toi fait partie d'une certaine culture. Mais je crois que Dieu aujourd'hui, il veut aussi t'inviter. Il veut t'inviter à venir chez lui, dans sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement venir créer une relation avec toi. Pouvoir
discuter avec toi, pouvoir te parler, mais aussi pouvoir travailler là où personne n'arrive à travailler, au plus profond de ton cœur, au plus profond de mon cœur. C'est ce que j'ai vécu. Dieu m'a complètement restauré. Et si j'ai la joie de vivre et si je peux chanter tout ce que je chante, ça n'a de sens que parce qu'il a fait cette œuvre en moi. La chanson qui va suivre, c'est une chanson que j'ai écrite il y a quelques années, quand j'ai réalisé que l'amour de Dieu n'était pas une question de sentiment, n'était pas une question d'une volonté humaine. L'amour de Dieu, c'est une décision qu'il prend. Et l'amour de Dieu est totalement parfait. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as rien à faire. Tu ne peux absolument rien faire pour gagner cet amour. Tu ne peux pas mériter un si grand amour. Mais le choix de Dieu, c'est de t'aimer. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils sur la croix. Il est parti jusqu'au bout. Il est mort sur la croix, mais il est aussi ressuscité pour nous donner la vie. Cette chanson s'appelle « Pour me sauver ». Et je laisse mon épouse Nathalie, la belle Nathalie, vous l'interpréter. À tout à l'heure. Ce sont mes péchés qui l'ont donné à la croix. Le poids de mes fautes représentait sur son bras. Il s'est montré si fort et si allé à la fois. Mon mal a cloué, il s'est sacrifié pour moi. Il a choisi de m'aimer. Il n'est pas descendu. Il ne s'est pas détaché. Il est allé jusqu'au bout pour me sauver. En tout cas, c'est une joie pour nous aussi, tout cet accueil par rapport à notre musique. On vous remercie. Je remercie aussi particulièrement Eric qui a suivi l'idée que j'ai eue. Un matin, je me suis réveillé, je lui ai dit, Eric, il faut qu'on fasse un concert en live, mais il faut qu'on fasse un truc de qualité où les choses fonctionnent bien, etc. Et là, a commencé tout un projet et il a mis en place, on a contacté les équipiers. Merci aux équipiers qui sont là, à chaque musicien, chaque personne qui est derrière tout ça. Croyez-moi, je suis très très reconnaissant et n'hésitez pas à leur témoigner aussi votre reconnaissance. Enfin, je voulais aussi remercier particulièrement ceux qui permettent aussi que tout ça puisse se passer. C'est notre production, Verity Production ou Verité Production. Vous pouvez les chercher sur Internet, ça s'écrit V-E-R-Y-T, production au pluriel. Vous pouvez le chercher dans leur site Internet et comme je vous le disais, si vous souhaitez aussi nous appuyer, nous encourager, vous pouvez aussi le faire au travers de ce site. Si vous avez à cœur de nous faire un don ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et c'est au travers de ce site que vous pouvez le faire. On vous remercie vraiment de tout cœur. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Et maintenant, accrochez-vous parce que la salsa arrive. On va finir en dansant. On va finir en ayant ce bon moment ensemble. Ça dit comme ça. Entends mon cœur. Entends mon cœur. Dis ceci. Yes. Comment exprimer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Sabes lo que espero, tú conoces mis miedos. Me faltan palabras para decir lo mucho que te quiero.
escucha mi corazón, te rinde adoración, escucha el canto de amor que hoy te dedico yo, porque no sé cómo decir cuán maravilloso es para mí. Más allá de las palabras de amor, escucha mi corazón. Porque cada latido en mí te agradece a ti. Gracias por la vida, gracias por la verdad, el camino que me guía. Escucha mi corazón, que te rinde adoración. Escucha el canto de amor. Cuán maravilloso eres para mí. Más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón. Escucha mi corazón. Escucha mi corazón. Oh mi Dios, escucha el canto de amor. Cuán maravilloso eres para mí. Más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón. Más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón. Más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón. Avec vous ce soir, Mick. Je prends pas toujours le temps, je la joue souvent solo. C'est jamais le bon moment et puis j'ai pas toujours les bons mots. Je dis jamais merci, je le dis qu'en bas de page. J'ai pas nécessairement la bonne expression du visage. C'est dommage mais je fais l'effort et j'offre un cœur qui s'humilie, saupoudré d'une pincée de salsa du chili. Lis dans mes poèmes ma misère et mes douleurs. Pas besoin d'un stéthoscope pour que t'entendes mon cœur. Hey, c'est toi qui me connais, tu calmes ma peine et tu gardes mon cœur. Le vacarme s'apaise et tu parles à l'orage. Les montagnes pâlissent, mes gorillas te font pas le poids quand je rappe vers celui qui est galé à l'étage. Alors entends mon cri, je le montre pas souvent, mais toi je sais que tu m'as compris. C'est pour ça que je m'applique, un rap cinémique, fit Leandro et la clique, clique. Escucha mi corazón, escucha mi corazón, escucha el canto de amor, wow, que hoy te dedico yo. Porque no sé cómo decir cuán maravilloso eres para mí. Más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón. Oh, más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón. Oh, más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón. Mais
Merci de tout cœur, les amis, d'avoir vécu ce concert avec nous. Franchement, c'était une telle joie pour nous de vous partager, de pouvoir le vivre ensemble. Sachez que en vous abonnant à cette même chaîne, à cette chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube, vous pouvez avoir tout le contenu qui va suivre par la suite. On vous réserve beaucoup de nouveautés et de belles surprises, croyez-moi. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur Facebook ou Twitter. À vous de choisir, mais restons en contact. C'était une véritable joie et un plaisir pour moi de vous servir. À bientôt !